Mohamed El Marcouchi, boxeur belge. Aujourd'hui, nous allons entraîner Kevin Nzuzi. Voilà, ça c'est mieux, c'est simple. Kevin Nzuzi, c'est lui. Il est français, il a 26 ans et a signé au RWDM l'été dernier. S'estimant encore trop immature, il a accepté de sortir de sa zone de confort. Une fois par semaine, il s'entraîne donc avec Mohamed El Marcouchi, la figure de proue de la boxe bruxelloise. L'objectif est clair, s'inspirer de l'expérience et de la détermination d'un champion de boxe pour gagner en maturité, sur et en dehors des terrains. Travailler avec quelqu'un comme Marco, voir son humilité tous les jours, je me dis bah j'ai peut-être fauté un moment dans ma carrière et c'est pas bon. Un champion comme ça, moi aujourd'hui je vais pas dire que je suis rien, mais je suis pas un champion, donc c'est une humilité, c'est vraiment un bon exemple en fait. Les entraînements sont intenses, variés et portés par un El Marcouchi particulièrement impliqué. Vas-y. Voilà. Moi je vais demander de sortir un coup. Alors que lui ne s'y attendait pas. Et voilà, et ben c'est comme ça, je pense aussi au foot, où il faut essayer de sortir le bon geste au bon moment et de marquer là où personne ne s'y attend. La boxe qui vient au chevet du football, un projet inhabituel qui porte la griffe d'un homme, Jean-François Lanvin. Coach performance, il accompagne de nombreux sportifs. Il a donc décidé avec El Marcouchi de transposer les valeurs de la boxe au monde du football. La boxe est certainement des sports les plus complets, à la fois au niveau physique, au niveau mental, au niveau explosivité, au niveau endurance. Et c'est un peu toutes ces valeurs qu'on essaie au quotidien de pouvoir travailler, notamment ici au RWBDM avec certains joueurs. Un travail de l'ombre entre les trois hommes qui commence tout doucement à porter ses fruits sur le terrain. Nzuzi reste sur 3 buts en 3 matchs, dont un ce week-end face à Westerlo. En deuxième mi-temps, il a permis au RWDM de revenir dans la partie. Finition de renard et surface pour Kevin Nzuzi. Je me sens beaucoup mieux travailler dans l'inconfort, dans l'ombre. Bah, quand je viens à l'entraînement, souvent c'est de 9h à 10h, de 9h à midi, pardon. Et ben, je me sens au top déjà. Je me sens au top, c'est tout ce travail que je fais dans l'ombre. Les gens ne savent pas, quand ils me voient faire certaines choses à l'entraînement ou en match, c'est que moi je me suis déjà préparé bien avant en fait. De son côté, El Marcouchi endosse la casquette de coach avec fierté. S'il a encore de grandes ambitions personnelles avec ce titre mondial de boxe en ligne de mire, il pense évidemment aussi à son après-carrière. Que je ne veux pas être coach pour dire que je suis coach de boxe. Non, j'aimerais bien être coach et coach d'un sportif de haut niveau pour d'autres sportifs de haut niveau. Donc un champion pour des champions. Les trois hommes viennent d'horizons différents, ont des parcours différents, mais un objectif commun, chercher à s'améliorer à force de travail et de persévérance.